Salut tout le monde, c'est Henri. Voilà, écoutez, on est ensemble aujourd'hui pour une petite mise à jour donc sur le grand jeu GTA V de Rockstar. On va commencer tout de suite par rapport aux rumeurs qui vont arriver dans quelques jours maintenant, puisqu'il s'agit au niveau du 30 octobre 2012, donc dans précisément 9 jours. Il y a la conférence donc de Take-Two, qui est donc l'éditeur de GTA V. Ce sera en quelque sorte un bilan financier de l'année 2012. Peut-être qu'il y aura des news, c'est comme à chaque fois, c'est toujours les rumeurs. Honnêtement, je ne pense pas, puisqu'il s'agit toujours d'un bilan financier. Ils vont parler de Max Payne 3 toujours, étant donné que GTA V, nous n'avons pas encore d'autres nouvelles, je vais y venir dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, en tout cas c'est une mise à jour, et on va commencer tout de suite. Au niveau donc des rumeurs, mais ça ce n'est pas une rumeur, puisque Rockstar a publié ça sur leur site officiel, Andy McNamara, qui est donc le rédacteur en chef de Game Informer, nous a annoncé par son tweet que vous voyez maintenant qu'il y aurait au niveau du Game Informer sorti en décembre des news révélées sur donc GTA V. Honnêtement, pour ma part, mon petit avis, c'est que Rockstar, j'ai l'impression qu'ils se font un petit peu voler la vedette par Game Informer, c'est-à-dire que Game Informer publie en disant « Voilà, nous avons des informations sur GTA V », cependant, j'ai l'impression que Rockstar voilà, se fait voler la vedette, c'est-à-dire que c'est leur bijou, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'annonce, donc ça me paraît un petit peu bizarre. En tous les cas, cette édition est donc l'édition de décembre, mais sur les magazines comme ça, l'édition de décembre est publiée un mois avant, à peu près, donc au mois de novembre, c'est-à-dire que nous pourrons attendre cette couverture ainsi que ce magazine courant novembre, je ne sais pas précisément quand, peut-être pas le 1er novembre, mais en tous les cas courant novembre. Ce que je pense, c'est que Rockstar fera une annonce avant, c'est-à-dire qu'ils publieront certaines informations sur ce jeu avant la publication de ce magazine pour voir si vous voulez s'envoyer des fleurs, si vous voulez, ou s'attribuer la récompense, et voilà, puisque je pense que Rockstar ne laissera pas quelqu'un d'autre annoncer des choses sur ce bijou. Voilà, ça c'est mon opinion. Ensuite, Rockstar revient vers nous depuis maintenant 2 ou 3 jours. Par rapport aux Cruise, vous savez, les Cruise, c'est à l'époque, quand Max Payne est sorti, le 18 mai, je crois, ils avaient publié les premières news depuis le mois d'octobre 2011, c'est-à-dire, ils avaient dit, commencez vos Cruise, c'est-à-dire le système des bandes, pour le multijoueur de Max Payne 3, et vous pourrez le réutiliser dans le multijoueur de GTA V. Donc là, voilà, ils reviennent sur les Cruise, et ils me posent une question donc, aux fans anglo-saxons et américains, en disant que voulez-vous voir donc au niveau de ces systèmes de cruise. Évidemment, il faut répondre selon une certaine technique, c'est-à-dire qu'il faut leur envoyer un mail sur une boîte mail spécifique. Ils vont répondre, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, c'est-à-dire proposer ce que vous voulez, vous pourrez peut-être voir vos améliorations dans le prochain opus. En tout cas, cette révélation, cette information, nous informe sur le degré d'évolution de ce jeu, c'est-à-dire que pour faire donc un mode multijoueur, il faut une carte, une map. Et donc, s'ils nous demandent qu'est-ce que nous voulons voir dans les cruises, ça nous témoigne que la map est finie. Évidemment que la map est finie, c'est évident. Ce qui n'était pas totalement le cas lors de la parution du trailer, comme je vous l'avais dit dans mon analyse. Mais en tout cas, le multijoueur, lui, n'est pas fini, puisque évidemment que le multijoueur repose sur un système de bandes, c'est évident. Les bandes, les clues, tout ça, ça repose dessus. S'ils nous demandent des améliorations là-dessus, ça veut dire qu'évidemment, ils n'ont pas fini de développer ça, mais je pense que c'est vraiment en fin de développement, et c'est vraiment à la fin. En tous les cas, je pense que le mode solo est terminé, puisqu'il s'attarde maintenant sur le mode multijoueur. Si on suit la chronologie, les gens qui achètent GTA V l'achètent plus pour le mode solo. Alors il y a des différents gens, en tout cas moi pour ma part je l'achète vraiment pour le mode solo, puisque le multijoueur m'intéresse bien sûr aussi, mais moins, c'est surtout l'intrigue, l'histoire, les personnages, donc ils se sont plus attardés, je pense, sur le mode solo, et maintenant ils développent le mode multijoueur. Au niveau de la date de sortie, c'est toujours un grand questionnement perpétuel, si je puis dire, puisque nous ne savons toujours pas. Les analystes balancent donc des analyses, comme on leur demande de faire, mais ce n'est pas, ils n'en savent rien, ils n'en savent vraiment pas plus que nous, pas plus que les journalistes. C'est-à-dire qu'ils pensent entre... Bon, évidemment, on peut penser que cet opus sortira courant 2013, c'est-à-dire entre février 2013 et juin 2013.
En tous les cas, vous vous souvenez donc il y a un an, jour pour jour, quasiment à une semaine, donc c'est pas jour pour jour, excusez-moi, il y a un an à peu près, Rockstar avait donc annoncé que GTA V était en plein développement. Le trailer est tombé le 2 novembre, donc évidemment, je ferai une petite vidéo de rappel par rapport à GTA V, et puisque ça fera un an le 2 novembre, donc c'est que je pense que c'est un anniversaire qu'il faudra soulever, et si ça se trouve, peut-être qu'au bout d'un an, on nous aurons sans aucun doute un deuxième trailer, soit un deuxième trailer, soit peut-être des mises à jour, des screenshots encore, puisque Rockstar n'est pas venu vers nous depuis un petit moment, et si ça se trouve, ils vont se dire, ah, au bout d'un an, on va leur redonner un deuxième trailer, ce que j'espère vraiment. Ce que j'espère et ce qui coïnciderait avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que ils balancent des informations avant la publication de Game Informer, c'est-à-dire que comme ça ils s'attribuent, si vous voulez, la réussite du projet, et Game Informer fera un espèce de petit condensé, un résumé de ces annonces qui vont probablement arriver. Voilà, c'est ce que je pense. Rockstar va revenir vers nous avant Game Informer, ce qui veut dire que nous aurons sans aucun doute des annonces de Rockstar sous vraiment un mois. Entre le 21 octobre, comme aujourd'hui, et le 21 novembre, je pense que nous allons avoir vraiment des informations. Donc cramponnez-vous à vos sièges, et vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Quant à moi, j'en ai fini donc sur cette vidéo de mise à jour. Je vous remercie tous d'être présents. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis tous à très bientôt. À plus tard tout le monde. Salut, salut!